Bonsoir à tous, merci au Paris Jog de m'accueillir. Euh, je suis Michael Istria, je suis développeur pour Red Hat, euh, basé à Grenoble. Et je travaille essentiellement sur Eclipse euh, en tant qu'IDE, en tant que plateforme, mais aussi toutes les technologies connexes. Euh, ce qui fait que globalement, je garde quand même un œil sur euh, l'ensemble du domaine. Donc, ce n'est pas euh, Eclipse avec des œillères, c'est Eclipse dans tout ce, ce business. Euh, je m'intéresse aussi à d'autres trucs de manière un peu anecdotique, pas forcément lié à mon boulot, début euh, de tool, euh, la CI, tous ces trucs-là, donc vraiment les, les flots de production. Inévitablement, l'UX, quand on fait une interface graphique, euh, je suis un peu sensible, mais pas, enfin, j'y connais pas grand-chose, mais j'essaye je, de développer euh, ma, ma science en la matière. L'open source, bon, chez Red Hat, c'est un peu obligatoire, mais ça devrait être obligatoire partout, c'est vraiment cool. Donc voilà. Euh, J'ai mis un petit euh, les trucs auxquels je ne suis pas sensible. Par contre, euh, contrairement à, à beaucoup de, de gens, euh, moi je, je c'est un petit peu la touche grenobloise. On aime bien les trucs vieux qui marchent bien. On aime la maturité. On n'est pas trop sensible aux trucs tout nouveaux, tout beaux où tout le monde applaudit. Et puis au final, quand on gratte un peu, on voit qu'il peut y avoir euh, pas grand-chose. Donc je suis plutôt dans la catégorie des gens qui euh, qui tiennent des discours un peu de vieux. Mais euh, avec, j'espère, de la sagesse et pas juste. Euh, comment on dit euh, Je ne suis, suis pas juste réactionnaire, j'espère. Voilà. Alors, en fait, on va parler de, de langage et d'IDE et du language server protocole qui vient entre les deux. Donc, avant qu'on parle de tout ça, euh, je vais éclairer quelques termes qui reviennent tout le temps. Euh, la première, c'est qu'on a parlé de langage. Il existe des langages euh, graphiques, des langages textuels. Il existe des langages même sonores. Euh, c'est un terme qui est très vague. Dans cette présentation, comme on est euh, sur des langages appliqués au code euh, et vraiment au code traditionnel, pas forcément graphique, on, on se contente de parler de langage textuel. Ça va être euh, votre C, votre DSL et tout. Donc, on est sur des langages textuels. Les langages ad hoc, c'est-à-dire des langages qui n'ont pas vraiment de spécification, mais en fait, quand on voit un document, on comprend le formatting, on comprend des trucs, on peut, on peut inférer que c'est un langage et qu'il est structuré. Euh, c'est des langages valides. Donc, ça, c'est juste pour dire que même si un langage ne semble pas avoir de définition préexistante, on peut quand même généralement l'outiller euh, en regardant comment il est manipulé. On peut apprendre des choses de ce langage. Ça, c'est une aparté, on ne va pas insister dessus sur la présentation, mais c'est juste pour vous ouvrir à l'idée que en fait, derrière, on peut avoir de l'IA, de l'apprentissage et tout ce qu'on veut pour outiller euh, des langages. On va parler de serveur. Alors, ça, c'est un, un truc que je veux que ce soit très clair parce qu'on m'a posé la question après la presse une fois et ça m'a fracassé, j'ai l'impression d'avoir tout raté. On parle de serveur comme une application qui fournit un service. On ne parle pas d'un serveur web nécessairement. C'est un serveur ça peut être un serveur en local qui communique par STDIO et tout. Donc le terme serveur, euh, décorrélez-le du déploiement tra traditionnel, c'est juste une application qui fournit un service. Donc c'est parti. On va parler de l'état de l'art de comment j'intègre mon langage et mon IDE. A l'heure actuelle, en fait, euh, généralement, très généralement, on a, pour, on a des intégrations point à point. Pour un IDE et un langage, on crée une intégration spécifique où l'IDE va, enfin, va définir les règles qui permettent de manipuler le langage et, euh, et ensuite faire les UI euh, qui permettent de manipuler ce langage, la complétion et tout. Cette approche en fait, elle demande quand même une double expertise dans le langage et l'IDE. Donc ça demande aux développeurs de bien connaître le langage, parce que quand même, quand on outille un langage, il faut connaître ses structures, ses, ses principes. Euh, et ça demande aussi une bonne connaissance de l'IDE parce que quand on est dans un IDE, dans une appli visuelle, elle a ses manières de faire ci euh, si ou ça et si on diverge, on perd les utilisateurs. Il faut quand même de la cohérence. Cette euh, double compétence pour Java dans Eclipse, ça passe. Pour TypeScript dans VS Code, ça passe. Maintenant, un développeur Erlang qui devrait faire euh, des plugins euh, TypeScript dans VS Code, c'est une compétence qui est quand même très rare. Donc en fait, en général, la difficulté de, de faire cette intégration est très difficile. Parce qu'elle requiert la double compétence, mais il y a même des doubles compétences que vous n'avez pas. Je pense que si on prend tous les langages et tous les outils, il y a moyen que 80% des couples langage outils on trouve personne qui sache faire de l'un et de l'autre. Euh, je ne sais pas, euh, enfin, les exemples sont, sont vraiment nombreux, euh, des développeurs qui savent faire... Euh, on n'a qu'à dire euh, du Scheme et puis du Java en même temps, bah, ça court pas les rues. Donc, pour faire l'intégration Scheme dans Java avec cette approche, ça ne scale pas. Donc, on a une intégration point à point qui est très difficile à mettre en place. Si euh, on multiplie ça, donc là on a pris quelques langages en exemple et quelques IDE en exemple, si on multiplie ça par euh, le nombre d'IDE par le nombre de langages, parce qu'il s'agit d'intégration point à point. On a un truc qui euh, a un coût en haut de M fois N, où M, c'est les langages et les IDE, et si on met euh, trois bonhommes qui travaillent en unité, pour couvrir ce tableau, ça fait 120 bonhommes. Voilà. Gardez le, numéro de, le nombre 120, c'est une unité complètement abstraite, c'est une unité de combien ça coûte euh, vaguement. Ça ne scale pas terrible. Et en fait, c'est là qu'est apparu, après, euh, en fait, c'est apparu récemment. Mais ce n'est pas une idée neuve. Hein. C'est une idée que beaucoup ont essayé avant, dans la recherche et tout. Et juste là, ça prend. Celle-ci, elle est bien faite. Apparaît le Language Server Protocol. L'idée du Language Server Protocol, c'est de se mettre en intermédiaire entre ton outil et ton langage et de dire qu'il n'y a pas besoin de connaître euh, l'idée. L'outil n'a pas besoin de connaître le langage pour l'outiller et le langage n'a pas besoin de connaître l'outil. Si au milieu, on a une interface... Qui s'appelle le langage server Protocol, où le langage peut dire voilà comment je fais ma complétion, voilà la documentation, de manière abstraite. Au milieu, c'est un truc qui est quelque chose qui est ni. Euh, un truc qui est quelque chose, ça sonne très mal. C'est euh, un truc qui ne dépend ni de l'IDE, ni du langage. C'est agnostique. En fait, on verra après que c'est un format très simple que les deux peuvent parler. Et donc, du coup, ça fait que l'outil, il a juste à consommer ce protocole pour supporter un langage, et que le langage, pour aller vers un outil, il a juste à fournir une implémentation de cette interface. Euh, bon, je pense que si vous avez l'expérience, c'est un pattern classique de quand on a euh, des intégrations à faire, on met au milieu un truc qui marche bien, et du coup, on passe de n, +M à n, fois, de n fois m à n plus m. On y reviendra. Euh, niveau difficulté, bah, là, en fait, pour faire cette partie là, pour implémenter la relation entre l'outil et le langage serveur protocol, il suffit d'être expert de l'outil. Pour l'intégration entre le langage et le protocole, il suffit d'être expert du langage ou du framework qu'on veut utiliser. Donc c'est des ressources qui sont beaucoup plus fréquentes. On trouve des experts de chaque langage, des experts de chaque outil. Donc on est sur un coût, si on veut une intégration un contre un, bah, ça se vaut. Mais, euh, mais on est aussi sur une partie qui est tout à fait réutilisable, c'est-à-dire que celui-ci va pouvoir aller avec tous les outils et l'outil va pouvoir avoir tous les langages. C'est euh, l'état de l'art et, et le démarrage de ce que c'est le langage serveur protocole. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont des questions Très bien. N'hésitez pas si vous vous êtes perdu. Euh, alors si vous avez des questions à avancer, vous les gardez pour la fin. Si vous êtes perdu, dites-le tout de suite qu'on qu qu ne vous laisse pas... Euh, loin. Le langage server protocole. Alors ce protocole c'est un protocole qui est spécifié et euh, qui est open source et qui est community, j'ai mis aware, dans le sens où il est sur GitHub mais ceux qui ont la main dessus euh, ont le contrôle. Il n'y a pas une, une gouvernance ouverte euh, comme dans pas mal de projets open source, notamment ceux qui sont euh, chez une fondation. Euh, il n'y a pas de garantie que euh, les auteurs du protocole vont aller à l'opposé de la communauté. Mais ils font ça bien, c'est quand même des gens qui, qui essayent de faire bien. Donc c'est community aware, ils répondent aux bugs, et, euh, on discute, on peut faire des propositions. Quand elles sont bonnes, ils les acceptent et tout. C'est un langage qui a été, euh, c'est un protocole qui a été mis en place par Microsoft. Et donc vous pouvez contribuer sur GitHub, il y a la page là avec toute la doc, et puis vous pouvez faire des pull requests et tout. Et pourquoi Microsoft a fait ce protocole C'était dans le cadre du développement de VS Code. VS Code, ils ont quand même eu euh, l'ambition euh, folle et démesurée de dire on va faire un IDE euh, alors qu'il y en a pas mal des bons sur le marché. Et notre IDE, on veut qu'il supporte plein de choses très vite d'une bonne qualité. Et euh, vu que ce n'est quand même pas les plus mauvais des développeurs d'outils, euh, l'équipe qui est là, c'est l'équipe qui a initié Eclipse. En fait, euh, ces trois-là font partie de l'équipe cœur d'Eclipse de 2001. Euh, Eric Gamma, je pense que vous connaissez, il a quand même un bon CV, il, a, il sait vaguement comment on modélise une application, il a, il a quand même co-écrit co -écrit le Gang of Donc, et ils ont énormément d'expérience de, des outils. Ils ont dit bah voilà, on va faire un protocole qui va nous permettre d'intégrer VS Code avec le plus de langages. et voilà, ils ont sorti ce protocole. Ce protocole, eh ben, il est bien, Voilà, hein, les, gens, les gens bons font des choses bien. Euh, et euh, rapidement, il a réussi à se disséminer. Alors d'abord dans la communauté Eclipse. D'ailleurs, j'ai des flyers qu'il faudra que je pense à vous. Enfin, des flyers, des autocollants. Et je vais faire une petite pause comme ça. Je vous montre un autocollant. Alors, je vais en parler vite fait. Tac. Euh... Voilà. Dans la fondation Eclipse, il euh, y aura des stickers. Euh, donc. Comme euh, les relations étaient privilégiées entre l'équipe de VS Code et Eclipse, il euh, y a les projets Eclipse qui se sont intéressés à ce Language Server Protocol. Et là, rapidement, c'est Waouh, les mecs, c'est bon, vous avez réussi ce que tout le monde attend depuis tout ce temps, on y va, en fonce. Et donc, en fait, beaucoup de projets dans la communauté Eclipse, euh, notamment Eclipse IDE, Eclipse chez Orion, JDT, Xtext, Spring Tool Suite, c'est la communauté euh, au sens large, ils ne sont pas chez Eclipse, mais bon, c'est un projet qui est quand même très corrélé. Eh ben, ils ont adopté ce protocole, euh, soit pour que l'IDE, si c'est le cas d'un IDE, donc pour ces trois-là, soit pour que l'IDE supporte le protocole, soit que pour que leur langage ou leur framework fournisse un, un serveur pour, pour mieux outiller. Et ensuite, la communauté a continué de grossir euh, canoniquement, je ne sais pas trop si ça se dit en français, mais euh, naturellement, en fait, euh, ça a grandi, grandi, euh, plein d'autres IDE sont arrivés, on regardera la liste après, plein d'autres langages. Et voilà comment euh, c'est le début de l'histoire d'un succès. Donc c'est un succès, on va, on va aller sur la partie technique, mais c'est vraiment un succès communautaire. C'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si vous, vous faites votre protocole dans votre coin, enfin si quelqu'un d'autre, et il y en a qui l'ont fait avant, font leur protocole dans leur coin, qu'ils ne le confrontent pas à d'autres outils, à d'autres langages, qu'ils qui n'interagissent pas avec le reste de l'écosystème. Bah, le protocole, il part à la poubelle et il n'y a qu'un seul utilisateur et ça n'a rien résolu. Là, la, la volonté d'ouverture et les interactions avec l'écosystème au sens large ont été le facteur clé de succès de ce protocole, au-delà de l'aspect technique. La technologie, eh ben, en fait, est, euh, on verra des détails encore une fois pendant les démos et un peu après. Euh, un client, un serveur, vous savez comment ça communique. On s'envoie des messages. Euh, Coucou, je ah, veux voilà la complétion. Voilà la complétion. Et euh, on est sur des messages, euh, request-response ou des notifications. Ça marche aussi. Le serveur qui dit au client Ah, mais là, il euh, là, y a une erreur. Mais, mais une croix rouge. Donc ces messages, euh, c'est du JSON-RPC. Et comme je vous disais, l'intérêt du protocole, c'est qu'il ne dépend ni d'un outil, ni d'un langage. Et en fait, JSON-RPC, c'est un bon choix parce que c'est un protocole de message, donc c'est vraiment lié au message, qui est très facile à implémenter dans tous les langages. Enfin, vraiment, si vous voulez vous faire un JSON-RPC, c'est faisable. Il bon, y a toujours des cas un petit peu, un peu chiants, mais vous pouvez vous faire facilement un parseur ou un producer de messages en JSON-RPC dans n'importe quel langage. Donc, du coup, ça, ça a ouvert à tous les langages et tous les outils. Le transport. Euh je vous ai dit qu'un serveur ce n'était pas un serveur web, nécessairement, ça peut. Et euh, le protocole ne contraint pas le transport. Donc on peut communiquer entre les deux par STDIO, en disant on est sur la même machine, on, on parle par STDIO. Par IPC, c'est le protocole interprocess, euh, inter je ne sais plus quoi, qui est pas mal utilisé par les applis Node. C'est un peu comme des sockets en fait, grosso modo. Euh, par UDP, si on a un truc remote, on peut, on peut choisir comment on, comment on transporte et grâce à ça, on peut choisir comment on déploie. Si on déploie en std.io, bon, ça sera plutôt du local process. On peut être dans la même appli, même, on peut être dans un thread local euh, si on veut, euh, ou on peut être un serveur web avec une connexion remote et tout. Donc voilà la base du truc un protocole que tout le monde sait manger qu'on fait passer par où on veut et qu'on met où on veut donc voilà pareil beaucoup de flexibilité qui facilite l'adoption par l'écosystème un petit peu de détails sur les messages alors un client en fait ce qu'il va faire c'est que un client ça un IDE ou un éditeur ok un client ce qu'il va faire c'est qu'il va démarrer et on va lui dire tiens j'ouvre tel fichier il va dire bah, pour tel fichier, je sais que j'ai tel language server, et il va s'y connecter. Donc il s'y connecte au language server, selon le choix de déploiement, c'est soit il va se connecter à quelque chose de distant, soit il peut même démarrer le language server en local et se connecter à STDIO. Donc voilà, il se connecte, et ensuite le client, alors c'est le client qui, qui lead, parce que c'est le client qui est le plus proche de l'utilisateur, euh, le client va orchestrer des requêtes vers le language server. On, ce diagramme là vous le retrouvez sur le site euh, de, du language server, je vais vous le lire parce que bon là d'ici il euh, faut s'accrocher. Là on a le, le silo ou la ligne de, de l'outil, donc c'est l'IDE ou l'éditeur de texte, là on a le language server, donc là on peut dire que c'est Eclipse IDE et là ça sera un language server C sharp par exemple l'outil ouvre un document et il envoie un message au serveur après l'avoir démarré, il envoie un message j'ai ouvert le document. OK, le serveur dit c'est bon, je sais que je dois m'occuper de ce document, il commence à faire sa vie, il peut parser le document, construire les AST et tout. L'outil dit j'ai modifié le document et il envoie le changement au langage serveur. Alors du coup, le langage serveur reçoit la modification, il dit OK, c'est bon, j'ai bien compris ta modification. Il fait son analyse. Et là, le language server renvoie au client une notification en disant T as -t ⁇ T'as telle erreur, c'est les diagnostics, t'as telle erreur, t'as tel warning ⁇ L'outil récupère cette information et l'affiche euh, à sa manière dans l'IDE. Généralement, là, la convention, c'est que tout le monde met des vaguelettes autour, mais ça pourrait être dans un dashboard spécialisé et tout. Donc l'outil fait, fait ce qu'il veut, mais il a l'information d'où sont les erreurs et il est censé l'afficher à l'utilisateur comme il convient. L'utilisateur fait CTRL-CLIC, euh, Go to Definition, Go to Declaration. Euh, et bah, du coup, l'utilisateur fait CTRL-CLIC, l'outil envoie une requête au Language Server en disant quelle est la position de ce que l'utilisateur vient, vient de cliquer. Là. Et le Language Server dit c'est ici. Donc il lui renvoie une position et l'outil va afficher ce qui est à cette position. Et, euh, et puis là, du coup, dit close. Donc voilà voilà un exemple de flow. C'est tout simple en fait. C'est juste que l'outil, il se contente d'envoyer, euh, il, il récupère les informations de l'utilisateur, de l'interface, les contrôles clics, les hover et tout. Il envoie l'action correspondante au Language Server. Le Language Server rend euh, les informations et l'outil affiche les informations comme il sait le faire. Donc voilà, hein, c'est pas, euh, pas bien compliqué et c'est ça qui est beau et c'est pour ça que ça marche. Euh, je vous disais que c'était une équipe euh, expérimentée dans le monde des outils. On le reconnaît assez facilement quand on regarde, donc ça c'est pareil, c'est tiré de l'aspect. Quand on regarde les, les opérations et, les et le modèle objet qui est utilisé, on est sur un vocabulaire euh, parfait. Enfin voilà, quand on est développeur d'outils et qu'on a euh, des opérations qui s'appellent completion, euh, document link, euh, formatting, on est vraiment euh, à la maison. Et en fait, c'est ce qui est un truc bien de ce protocole, c'est que la manière dont il a été designé. Et l'expérience des gens qui l'ont designé fait qu'ils ont quand même choisi un grain d'opération qui est très très facile à utiliser. Ça rentre euh, comme dans un gant. J'avais utilisé une variante de cette expression une fois et, et on m'avait dit qu'il ne fallait pas. Mais, euh, <laughs> euh, donc voilà, on a des opérations très faciles à, très faciles à, à consommer qui rendent l'utilisation très agréable, le développement aussi. Des exemples de messages. Je vous ai dit que c'était du JSON RPC. Voilà à quoi ça ressemble, du JSON RPC. C'est du JSON qui dit que je suis du JSON RPC, parce que non, faut, faut se déclarer. Et ensuite, on a des numéros de requête, un ID. On a une méthode. Donc là, dans ce cas-là, c'est Hoover. On passe les informations au Hoover. Donc là, en fait, c'est le client, hein, c'est l'IDE qui demande au langage serveur, c'est quoi le Hoover. L'over, c'est ouais, quand vous mettez le curseur sur une variable, une méthode, ça vous affiche la doc, généralement. Donc, l'utilisateur demande l'over et le client envoie cette requête avec comme paramètre l'URI ici, qui est le nom du fichier en cours. Donc, là, dans programme.cs, euh, à la position ligne 8, caractère 19, qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu as à me dire, gars Le language server. Il dit, bah moi, à cette position-là, ce que j'aime bien te raconter, c'est euh, que ça s'appelle system.console et que ça représente euh, the standard input output blablabla. Donc voilà, des messages tout simples, euh, faciles à lire, faciles à débugger. C'est aussi une qualité pour les intégrateurs et les fournisseurs de language server, parce que là, en fait, euh, ça se débugue à l'œil quasiment. Vous pouvez vérifier si les messages que vous envoyez ou que vous recevez sont bons. Donc c'est quand même aussi euh, très confortable. Et alors, il y en a qui m'ont posé la question des perfs. Sur un déploiement local euh, entre deux process euh, où ton language serveur et ton IDE, ils sont sur la même machine. Les perfs d'envoyer des JSON, même si c'est un énorme JSON, c'est que dalle. C'est vraiment, euh, vraiment rien. En remote, peut-être que ça peut coûter. Mais généralement, ce n'est pas la taille du message, en fait. Ça va plus être le ping qui va jouer euh, dans ce genre de cas. Donc, vous inquiétez pas si c'est verbeux. Être verbeux, certes, ça, ça fait passer plus de contenu, mais là, avec le confort qu'on a au débugage et au suivi, c'est quand même euh, rentable. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici Oui. Coup, euh, le, le, le langage serveur peut être euh, remote. Oui. Et là, par exemple, si on a un fichier, euh, quand on envoie directement le fichier au langage serveur Il est mm -hmm. le on... Je te montrerai un message tout à l'heure tu le contenu. Mais tu peux aussi ne pas envoyer le contenu et si tu dis que tu es local, dire que le Language Server est censé lire le fichier. Mais normalement, tu envoies le contenu. D'accord, je ferai ça. La question était, euh, était grosso modo, vu qu'on peut avoir des déploiements distants, comment le Language Server sait le contenu du fichier Et la réponse est tu lui envoies le contenu du fichier. Est-ce que ça nécessite à chaque fois d'enregistrer euh, le fichier avant de pouvoir. L alors est-ce que ça nécessite à chaque fois d'enregistrer le fichier Fort heureusement que non. Euh, par contre, c'est du côté du langage serveur où il reçoit les informations de modification. Si tu modifies, il reçoit la notification, même si tu n'as pas fait save, et c'est à lui de garder euh, l'état euh, transient pour euh, l'outil. Un workflow qui forcerait un utilisateur à faire save euh, tout le temps, ça ne se pas. IntelliJ, les gens, il y a le save automatique, mais dans tous les autres outils, c'est plutôt malvenu, en fait. On est bon Oui. Oui. Alors, euh, la question est quand on démarre le language server, comment il connaît l'état du projet, de l'ensemble des fichiers, euh, est-ce qu'il cache des choses ou pas. Alors, quand tu l'ouvres, tu n'envoies pas tous les fichiers. Il, ouvre, il envoie le contenu du fichier qui vient, euh, l'outil va envoyer le contenu du fichier qui vient d'ouvrir. Tu n'envoies pas toute ton arborescence. Donc c'est une difficulté pour les cas remote, qui sont très rares. En fait, c'est au language server de dire, s'il est en local, bah, le système de fichiers, tu l'as en local, donc tu peux le lire. Quand tu es en remote, il faut que le language server dise Ok, m'a donné cette information-là, est-ce que je peux aller la choper Tu peux avoir des language server qui peuvent monter euh, dans leur implémentation, qui peuvent demander un mot de passe et puis te monter le file system distant, distant SSHFS. Mais c'est vraiment le, le, le language server qui fait. La spécification ne, ne donne aucune recommandation sur euh, comment tu tout un projet à un serveur distant. Mais le cas du serveur distant est assez rare. C'est plus euh, le cas du serveur distant, ça va être pour des, des trucs d'analyse statique beaucoup, genre sonar et compagnie. Euh, les IDE en ligne, euh, la plupart, en fait, ils te montent un file système euh, que tu vois pas vraiment. En interne, ils ont un file système. Mario t'en dira plus. On est bon Du coup, si on met ce protocole au milieu et que euh, on transforme euh, on met euh, les outils à euh, combien enfin faut me tu, tu m'iras un peu pour le temps? On est à combien? Ah ça passe vite. Euh, si on reprend notre euh, language serveur protocole qu'on met tout au milieu, et ben bah, ça transforme la matrix en une étoile, ça transforme du n fois m en n plus m et du coup c'est des intégrations qui sont un peu plus cheap. Avec beaucoup de réutilisabilité, on est à 28 petits bonhommes, là où j'en avais mis 120. C'est pas une vraie unité les petits bonhommes, mais ça donne une idée du truc. C'est juste pour que vous voyez que n plus m est généralement inférieur à n fois m. Ce que vous savez peut-être déjà. <laughs> euh le language server fournit des SDK pour chaque langage. En fait, il existe déjà des librairies qui permettent de parser ces fameux messages JSON et de manipuler des objets métiers. Au lieu du coup, le, le parsing, le messaging et tout, tout ça, c'est déjà packagé. Et il y en a pour euh, Node.js, C -Sharp, Java, AXE, PHP, Python, Rust, Haskell, C -Sharp et tout. Donc, généralement, si vous utilisez un langage un peu sérieux, euh, vous aurez un support tout fait pour le messaging et, euh, et le data mapping. Dans le monde Java, il existe un excellent, euh, un excellent SDK si vous voulez créer votre client ou votre langage serveur qui s'appelle LSP4J, Language Server Protocol for Java. Euh, très bon projet. On aura l'occasion d'y jeter un oeil, mais et, de toute façon, s'il n'y en a pas d'autres, euh, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autres. L'état voilà. actuel, euh, je vous ai montré mes petits bonhommes avec mon tableau, ma matrice. C'est quoi les vrais nombres donc, pareil, c'est listé. On est à 78 langages ou frameworks pour lesquels il y a un langage serveur qui a été déclaré. On est à 18 éditeurs ou IDE pour lesquels il y a le support pour ce protocole. La liste euh, continue de monter encore et encore. Du coup, si on prend notre matrix et qu'on compte juste le nombre d'intégrations, M fois N, on est à 1404 intégrations. Donc, si vous voulez mapper tous ces 18 éditeurs et ces 78 langages, il vous faut 1404 petits projets d'intégration. Bon courage. Euh... Mais. Qu'est-ce que j'ai fait Pardon. J'ai fait stop. Donc on était à 1404. Et si on reprend le vrai numéro, c'est 78 plus 18. Et du coup, ça nous fait 96 intégrations plus simples. Un petit ratio de, de 15 sur le domaine des outils des développements et des langages, c'est quand même ce qu'on peut appeler une révolution dans le domaine. On est sur un domaine qui était parti pour ne plus scaler, et qui ne scalait déjà que moyennement avant ça. Putain, pardon. Et, euh, et maintenant, maintenant, ça scale. Voilà. On va parler des limitations. Pardon. On va parler des limitations. Euh, le language server protocole, on n'a parlé que d'édition, pour la simple et bonne raison que c'est un, un protocole qui ne s'occupe que d'édition de, de code. Il va fournir des, de l'assistance à l'édition. Il ne fournit pas euh, d'assistance à l'exécution, au testing, au debugging ou quoi que ce soit on verra que c'est une porte qui est ouverte et un chemin qui est actuellement euh, parcouru par beaucoup de, 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 de gens du domaine. mais ce n'est pas ce protocole là. ce sera d'autres protocoles qui font ça. le language server protocole à l'heure actuelle manque euh, encore de quelques opérations euh, auxquelles on est habitué en tant que développeur java avec des idées vraiment balèzes, notamment la type hiérarchie, des refactoring, des recherches avancées. donc, du coup, on est sur un truc qui comparé à l'état de l'art pour les intégrations très 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 avancées est un petit peu inférieur, mais de pas beaucoup, vraiment. Du coup, c'est déjà utilisable. Le, la, la coloration syntaxique, la, les couleurs, quoi, euh, sur les trucs, euh, ça fait pas partie du protocole, euh, mais en fait, il y a déjà TextMate qui fait ça très bien. Donc, si vous avez un outil, genre dans Eclipse IDE, dans VS Code, dans TIA, euh, partout. En fait, pour la coloration syntaxique, on branche une grammaire Textmate et puis on utilise ça. Quoi. Euh, ça marche. Et ce n'est pas dans le protocole. Une problématique tout à fait ouverte dont Jeff viendra vous parler l'an prochain au job quand il aura résolu, euh, c'est comment on compose des langages serveurs. J'ai un langage serveur qui fait du Java, un langage serveur qui fait du JavaE, un langage serveur qui fait du SQL dans les strings. Euh, comment je fais Est-ce qu'il y a un serveur qui invoque les deux autres Est-ce qu'il y a un proxy Est-ce qu'il y a du routage Ou est-ce qu'au final on prend tout et puis on fait du filtre Comment on fait pour interagir ces choses qui potentiellement peuvent être en conflit ou partager des ressources La solution actuelle qui marche pour Spring tout de suite est la moins élégante. Il démarre deux langages serveurs quasiment identiques. Tous les deux ils ont un état euh, de l'AST, des modèles Java, donc il y a double de ressources de consommation. Le language serveur Java fait la complétion pure Java, leur language serveur AE fait la complétion pure Spring. C'est pas beau, mais ça marche. J'avais remarqué ça, il mmh. y, y a un bug qui fait, euh, très clair, c'est que quand tu, tu fais des conflits sur une annotation, tu as des annotations Spring et des annotations Java. Ouais, et ça donne... ouais voilà, bah, du coup, c'est en fait. ouais, voilà, comment, comment on gère les conflits. Et en fait, le protocole n'impose pas de solution. Et c'est l'expérience qui va l'amener, parce que c'est un use case qui est très présent et ça va, ça va arriver. On va arriver à, à trouver comment on, comment on chaîne tout ça. Pour l'instant, euh, bon, euh, on se débrouille et puis si ça passe, tant mieux. Quoi. Donc du coup, comment on pourrait améliorer ce protocole qui est du coup open source bah, On pourrait contribuer la déclaration des refactorings qui manquent, euh, la déclaration de la type hiérarchie. Un truc qui serait bien, c'est d'avoir un modèle de recherche beaucoup plus puissant. Genre, je veux les euh, implémentations de cette méthode qui ont telle annotation, des trucs comme ça, des trucs vraiment, vraiment punchy, euh, qu'on a, euh, qu a dans les IDE... Euh, on a, euh, enfin, on n'en a pas celle-ci spécifiquement, mais on en a des recherches très puissantes dans les IDE existants. Bah là, dans le LSP, euh, pour l'instant, il n'y a pas, pas d'équivalent. Et donc, euh, discuter de comment on compose des langages serveurs. C'est bon Je vais attaquer une première démo. Alors la première démo, c'est euh, un peu la démo qui, qui nous a fait un peu rigoler avec le language server dans Eclipse. Euh, c'est C Sharp. C Sharp est devenu vaguement open source il y a deux ans avec .NET Core. Euh, et du coup, avec .NET Core, on s'est dit, ah, oh, et si on essayait d'intégrer euh, cet écosystème tout Microsoft dans un IDE qui n'a rien à voir avec Microsoft et euh, la magie de la chose, c'est qu'il existe un language server qui s'appelle OmniSharp. OmniSharp, je vous le montre. Alors, une petite mention pour le projet. Voilà. Donc c'est ce projet-là, OmniSharp Roseline, complètement open source, qui euh, répond au protocole. Donc on peut brancher notre IDE avec euh, ce language server. C'est ce qu'on a fait dans Eclipse, simplement en lui disant, donc le nom du projet dans Eclipse s'appelle Acute. Euh, parce que Sharp et Acute c'est un peu synonyme. C'est assez grand, oui, c'est assez grand, Attends. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait dans Eclipse. Et là, on lui dit, ouais, bah du coup, pour le C Sharp, tu utilises euh, ce langage server là, OmniSharp. Il est où Il est là, voilà. Tu utilises OmniSharp. Et après, je vais plutôt vous montrer Java parce que ça, ça ne doit pas trop vous parler si vous n'êtes pas développeur Eclipse. Euh, non, 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 non. Et donc euh, l'omni sharp il a cette tronche là. Ah non là c'est trop grand. Là c'est pas mal. C'est ce que le début. Euh, l'omni sharp vaguement en fait ce qui fait c'est que c'est cette ligne là qui est intéressante. En fait il va juste démarrer euh, il va juste démarrer le l'omni sharp en fait. Donc bon là tout ça c'est comment on trouve omni sharp. Mais en fait on démarre le process et voilà il s'y connecte. Voyons voir ce que ça donne en vrai. Donc là on voit des messages là, que je peux vous montrer, on en parlait tout à l'heure. C'est sympa les messages. Là on voit que les messages que le language serveur donne. Bah, je vais vous montrer les autres messages après. On a notre fameux C-Sharp qui est coloré par TextMate. Et si je fais CTRL espace, il fait Computing Proposal et on a les Proposals et tout. Et ça, en fait, c'est Omnisharp qui nous le donne. Tu vois. Pas, euh, moi, rien, je ne sais pas coder du C-Sharp, hein, donc euh, je n'ai rien codé de tout ça. J'ai juste branché Omnisharp avec Eclipse et puis pouf, youpla boom. Euh, donc vous avez vu, il y a les erreurs. Euh, voilà, une erreur. Si je vous fais du, du code très intelligent en C-Sharp. Euh, euh, Égale euh, 5, tant que c'est inférieur à 10. Non, à n, on va dire. Je sais pas. Euh, return. Voilà, là, il dit qu'il manque n. Euh, et int n. Et puis, si je fais CTRL-CLIC sur le n, il va là. Si je fais. Euh, euh, il est où mon. Ah, ben bah, voilà, il y a le C'est intéressant. Il me dit euh, que n, c'est un int qu'il y a une erreur dessus. Euh, il doit y avoir Find References. Il est où Je ne le trouve plus. Alors, du coup, je vais me faire un CTRL 3. Find References. Non, bah, je ne le trouve plus. J'ai dû virer le menu. Voilà. Bon. Si <laughs> il manque un petit menu. Ah, bah oui. Ah non, Omnisharp ne le supporte pas. Si tu fais Find References, il est censé te lister euh, qu'il l'a. Peut-être il faut que je le sélectionne en entier. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. C'est la vie. Donc voilà. On a euh, notre éditeur C d'assez bonne qualité dans Eclipse à 3 francs 6 sous, euh, parce qu'en en fait, on prend juste un truc vachement intelligent que les autres ont fait et on se branche dessus. C'est quand même le rêve, non C'est la première démo. Alors, du coup, je vais vous montrer la tronche des messages, puisqu'il y a des, des curieux dans l'assemblée. Ah, voilà, veut des messages. Alors Omni il a un peu tendance à loguer beaucoup. Comment on zoome in dans ce truc-là Bon, c'est pas grave. Donc, euh, je cherche le Didopen. Didopen, il est là. Et donc là, tu as l'URI du fichier. Le langage, c'est du C Sharp. Et en fait, là, tu as le texte. Et là, tu vois qu'il commence à te mettre tout le fichier euh, dans le truc. Derrière... On lui a demandé à un moment euh, qu'est-ce qu'on lui a demandé à ce brave gars de la complétion. On lui demande de la complétion pour tel fichier, pardon, pour tel fichier donc programme.cs à la position 820. Et là, il nous retourne euh, toute la complétion. Donc là, vous voyez, ça va être un énorme message là, un message de 23 000 caractères. Et bien ça passe. 23 000, 23 000 octets, c'est rien quoi. Donc voilà. Une question. Alors, la question est à quel moment de la saisie le message de modification est envoyé C'est au choix du client. Euh, dans Eclipse, traditionnellement, on utilise plutôt des reconcilers, ça s'appelle. Donc, en fait, c'est des trucs qui vont être déclenchés au bout de 100 ou 200 millisecondes d'inactivité. Mais euh, je ne suis même pas sûr qu'on les utilise là. Je crois que c'est juste à chaque fois qu'il y a un changement. C'est au choix de l'outil et après c'est à l'outil de, de faire la balance euh, sur ses, ses usages habituels et, et les performances de la stack. Donc euh, cette première démo, qu'est-ce qu'il fallait voir Il fallait voir qu'il y a, c'est pas possible. Il fallait voir que y a pas de dépendance entre l'IDE et le langage. Il euh, y a zéro logique euh, du langage dans l'IDE. Je vous l'ai montré, enfin justement je voulais pas montrer parce qu'il n'y en a pas. Euh, fallait voir aussi que c'était low code, dans le sens où bah on a juste démarré un process et puis on l'a donné à manger à l'IDE et puis il s'en est occupé. Et on a vu un petit peu la, la tronche des messages. Voilà. C'était l'objectif de la démo. Euh, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette démo. Question Alors, euh, la question est, d'un point de vue pratique, euh, qu'est-ce qui se passe si le serveur il plante et il répond pas Le modèle JSON-RPC et les API Java qui sont utilisés, le LSP4J, sont des modèles asynchrones à base de, de futures. Et c'est au client, bah là, du coup, dans Eclipse, l'intégration avec le Language Server, elle a ses futures. Euh, c'est à Eclipse de dire quand ma future euh, s'arrête, euh, je, je, je réagis proprement. Donc, le protocole, euh, protocole n'a pas besoin spécifiquement de ça parce qu'il est, il est déjà asynchroné et tout. Les clients, euh, le, la plupart des, des API client, euh, le supportent bien en utilisant des, des promises ou des futures selon le langage que tu utilises. Et après, il bah, faut juste le faire proprement. Quoi. Donc, quand tu as une future, tu ne fais pas un get aveuglément il euh, faut, faut catcher des choses ou juste faire un zenwiz. La définition du protocole dit que toute opération peut être longue et que le serveur peut cracher à tout moment. Voilà, on ne prend pas de risque, hein, euh, au moins avec ça on couvre tout. <laughs> Deuxième démo, VS Code Java. Euh, Est-ce que vous utilisez VS Code Ouais D'accord. Euh, non, lui on va le fermer. Alors, VS Code Java. VS Code, le voici, il est beau, il est noir par défaut, on n'y voit rien, mais c'est pas grave, c'est la mode. Euh, <laughs> on ouvre une classe Java, et euh, on va faire un hover sur euh, Response, au oh, de la documentation et tout. VS Code Java, euh, en fait, de la même manière que vous avez vu comment Eclipse a implémenté euh, C-Sharp, bah, VS Code Java implémente euh, Java en utilisant un language server pour Java. Ce language server, il a ça de remarquable qu'en fait, il s'agit de Eclipse JDT lui-même, euh, qui, qui en fait est transformé en, euh, est transformé en un language server. Et donc, je vais vous en donner la preuve en image, si mon terminal il veut bien. Tac. Mmh. Bon alors celui-là il veut pas. Oh, en plus euh, ça marchait vaguement tout à l'heure. Bon c'est pas grave, je vais prendre un bon vieux terminal. Alors euh, si je fais CTRL plus, soit ouais, lui il veut bien. Si je fais PSAEX pipe uh, grep uh, JDT par exemple. Il tourne lui ou quoi là Ah mais non, c'est parce qu'on met pas d'étoile à un hein, grep. Vous n'avez pas suivi. Voilà, on le voit là, le 5520 là, c'est lui. En fait, euh, VS Code, il ouvre, euh, il démarre euh, Eclipse. On le voit là que c'est Eclipse parce que ici on a euh, le moins Eclipse App, on a le Eclipse Launcher qui doit traîner dans l'eau. Voilà, il est là. Et en fait, au lieu de démarrer le Workbench, qui est l'application Eclipse visuelle, il démarre cette application qui s'appelle JDTLS. Qui en fait expose l'intelligence qu'a Eclipse pour Java via ce protocole. Et donc s'y connecte de la même manière, assez simplement. Euh, donc il utilise LSP4J pour implémenter le language server. JDTLS utilise LSP4J. Et du coup, on voit, on voit, je ne sais plus où, normalement j'ai Voilà. Ici en fait on voit qu'il crée le process par rams push et tout, donc là JDTLS product blabla et ensuite, à un moment, il fait un petit fork et voilà. Et euh, il démarre JDTLS et puis il s'y connecte en utilisant les API de VS Code qui sont je ne sais plus trop où. Je ne suis pas du tout scient en VS Code, euh, je ne suis ni croyant ni pratiquant, non en fait je suis croyant et pas pratiquant. Et... Euh, et voilà. Donc euh, tout simple, efficace, une bonne qualité euh, d'utilisation. Alors euh, de la complétion, euh, du hover. Euh, si j'écris NIMP, il se passe NIMP, Et puis j'ai peut-être même des quick fixes. Alors les quick fixes en VS Code, euh, voilà. Donc normal quoi. J'espère que vous préférez la démo d'après parce que celle-ci. Euh elle me contrarie. Donc euh, question sur cette intégration Une fois, deux fois, trois fois. Ok. J'irai pas plus dans les détails parce que j'en ai pas plus à donner et que la démo d'après est, est plus fun. Donc la démo 2. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que euh, c'est une... Putain mais. C'est euh, une démo, euh, euh, c'est une extension open source euh, basée sur JDTLS qui est sur le Marketplace VS Code. Euh, ça marche très bien euh, dans la plupart des cas, on a tout ce qu'on a besoin, à moins qu'on soit vraiment sur une utilisation très avancée euh, de JDT, on y retrouvera tout ce qu'on aime. Et euh, bah, en dessous, c'est Eclipse JDT. Donc euh, il faut quand même se rendre compte qu'il bah, y, y a de l'intelligence dans les IDE. Qui, a, qui est là parce qu'il n'y avait pas langage serveur protocole à l'époque, qui est complètement réutilisable et réutilisé. Donc c'est plutôt bien euh, que ça ait été réutilisé plutôt que réimplémenté. Troisième démo, le chanrousse language. Qui code euh, en chanrousse language Personne ah. Chanrousse, c'est la station de ski qui est à côté de la maison, euh, JO68, tout ça. Jean-Claude Killy, trois médailles d'or, la fête, quoi. À Grenoble, c'est important. Et <laughs> euh, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que... On va regarder, j'ai défini un petit langage et on va, regarder, euh, on va regarder comment on outille ce langage. Donc, ce langage, je vais vous en parler. En fait, c'est un langage qui sert à définir des itinéraires euh, sur euh, Champs-Rousse, plutôt côté euh, Place de Beldon, quand mon PDF viewer il voudra bien. Donc, il y a des remontées mécaniques, il y a des descentes. On va plutôt rester ici. Voilà. Et en fait, on va avoir ces tronçons-là qui sont documentés dans un fichier. On va avoir le graphe en fait, qui est défini avec les connexions et tout. Et euh, le langage doit nous expliquer comment on choisit un itinéraire. Donc on les met les unes après les autres. Et puis il est censé nous dire, euh, il est censé nous aider à outiller un itinéraire. Nous aider à définir un itinéraire. Donc pour ce faire, en fait j'ai bootstrapé un, un projet. Euh, basé sur basé sur lsp4j que vous pouvez consommer en Maven hein, c'est pas parce que ça s'appelle vous devez être habitué c'est pas parce que ça s'appelle org eclipse que ça demande eclipse hein, c'est comme org apache et tout donc là vous l'avez en Maven et on définit euh, tout simplement ce shanroux language serveur donc il implémente LanguageServer, serveur une interface qui est fournie il définit ce qu'il sait faire ben, moi je sais faire la complétion je sais faire ci je sais faire ça blabla il définit un text document service qui est le plus intéressant. C'est une API qui est très facile à, à prendre en main, donc on va pas aller dans les détails, parce que si vous la prenez en main, ça ira vite. Un truc à noter, c'est, je vous le disais, c'est du completable future. C'est très confortable, en fait. On a toujours l'impression que ça rajoute quelque chose dont on n'a peut-être pas besoin, mais à l'usage, en fait, c'est vraiment ce qu'on veut. Quand on a un truc qui peut planter en cours de route ou qui est long, eh ben, le fait que l'API exprime euh, des completables futures, on ne peut pas faire d'erreur. On le voit. Quoi. Enfin, le code nous dit, euh, ça, ça, ça peut te péter à la tronche. Quoi. Alors que si on retourne juste une initialization result, bah, on ne sait pas si la méthode va se terminer, on ne sait pas si euh, elle va retourner nulle. Voilà, là, on a des infos. Le text document service qu'on va regarder un petit peu, eh ben, il fournit les, euh, les informations. Par exemple, on va regarder la complétion. Alors, il y a des ethers, beaucoup, dans LSP4J. C'est parce que... Malheureusement, TypeScript, ou heureusement pour TypeScript, a des union types. Et les union types en Java, on ne peut pas trop les traduire, on est obligé de wrapper ça dans des, des type Either ou ce genre de choses. Combien de temps ça Ouais, Ça peut, ça peut passer. Mais Mario m'a dit qu'il n'en avait pas pour longtemps. Donc, ouais. euh, <laughs> donc euh, on regarde une méthode là, et euh, par exemple pour la complétion, eh ben, on reçoit un completion param qui nous dit quel fichier c'est et quelle est la position du curseur. Eh ben, on va euh, regarder dans notre euh, modèle. Notre modèle, c'est euh, ça, là, Chanrouce Map, je l'ai appelé. On va regarder dans notre modèle quels sont les, euh, les objets qui peuvent partir de cette piste. On va regarder tout de suite, euh, on va le mettre en action, le machin, là. Je vais faire un petit rebut du Language Server pour être sûr qu'il n'y euh, a pas de spoiler. Et puis après, on va le regarder. Et on va dire Waouh, ouais, génial non, c'est toi que je veux. Donc on redémarre notre bonne Eclipse. Donc je peux vous montrer rapidement l'intégration dans Eclipse. Vous l'aurez compris, c'est pas bien compliqué. On a... Ah je l'ai pas traduit, pardon. On a euh, le Champrous Language Server Stream Provider, qui donc, fournit la connexion au Language Server. Et euh, il fait un java moins jar du euh, machin qu'on a buildé derrière euh, juste avant. Ok Qu'est-ce que tu me racontes toi pas grave. Donc, juste un java-jar. On va se créer notre fichier Ski. Donc, Paris. Et donc, voilà. Euh, si euh, je vous fais un petit euh, chant rousse comme ça, vous voyez qu'en ouvrant le fichier Ski, Eclipse il a décidé de démarrer le langage serveur parce que c'est lui qui a la logique. Hein, on lui a demandé de le faire il le fait il est bien brave. Et si je demande la complétion, eh ben il met le nom des pistes. Et donc là, on est, euh, on est au pied de la place de Beldon. On a commencé forcément par prendre un petit, une petite télécabine à la Croix. Et puis après, on dit Allez, je vais aller à l'Olympicum parce que j'ai la caisse. Donc voilà, il nous dit qu'on est à l'Olympicum. Mais là, il dit Ah, mais non, cher ami, tu as oublié quelque chose Il n'y a pas de passage entre euh, le télécabine de la Croix et l'Olympicum. Et j'ai fermé ma map. Non, dommage, sinon je vous aurais montré qu'il n'y a pas de passage. Donc voilà, on a, euh, on a de l'outillage. Quand on fait du hover dessus, il nous dit euh, ce que c'est la difficulté de la plus donc de la piste. Là, c'est un télécabine. Si on fait ici euh, et que euh, plutôt on va prendre l'Olympique d'âme, je crois qu'il part d'en haut. Et ben voilà, c'est une piste rouge et ainsi de suite. Donc on a euh, à gauche, on a la outline. Pareil, tout ça c'est le langage server qui fournit. Il fournit les erreurs, la complétion, euh, l'outline, qui est la vue, euh, la vue hiérarchique. Donc voilà, on a implémenté notre belle interface. Et euh, en fait, euh, ce qui va être rigolo, c'est que si... On s'en fout, si je vous montre un petit peu ce petit plugin VS Code. Alors, je vous ai dit que je n'étais pas pratiquant de VS Code, mais je l'ai fait une fois pour la démo. Euh, J'ai fait une extension qui, exactement de la même manière, ça, ça va pas aider ça, qui exactement de la même manière va faire le Java jar dans VS Code et l'associer au au, au fichier .ski. Donc, je l'ai là, mon extension, elle est là, et si je fais, je crois, c'est F5 dans VS Code. et que j'ai un bla et que toi tu t'en vas parce que j'ai rien à te raconter, et eh ben je lui demande de la complétion. Il a les mêmes choses, il va me sortir les mêmes erreurs parce que. Euh, bon, je vous en le coup de l'Olympique Homme. Hein. vous êtes habitué maintenant. Voilà, tac, il n'y a pas de passage. Voilà. On a la même chose en fait. On a notre brique de logique de langage qui est dans les deux IDE. Si j'avais le temps et, et la folie des grandeurs, je pourrais vous faire la même démo dans Chez, dans Teia, dans Sublime, dans Imax, dans Vim, dans Gnome Builder. Euh, vous comprendrez, euh, si, vous avez, si vous connaissez un peu le portfolio de Red Hat, que dans la liste des idées que je vous ai donné, il y en a quand même cinq auxquels on s'intéresse. Ça explique un petit peu pourquoi ce genre de techno qui nous permet de factoriser euh, nous, nous plaît. Maintenant, on va regarder... Euh, un truc assez sympa, on va aller euh, taper un petit peu dans Language Server, on va l'enrichir pour que vous voyez comment ça se passe une, euh, une itération. Donc en fait, normalement, je me suis mis des jolis to-do. Ils sont là. Non, des to -do. Tout doux. Voilà. Alors, euh, ici, on est dans les code action. Les code action, c'est les quick fix. Quand il y a une erreur, en fait, l'IDE, il doit envoyer une requête de code action au Language Server. Et ben, on va rajouter quelque chose qui permet de commenter. Euh, de commenter un tronçon. Voilà, donc on rajoute quelque chose qui dit euh, en fait quand j'ai une erreur, on peut commenter et commenter ça consiste à rajouter un dièse devant le truc et il sera ignoré dans le parsing. Voilà. On peut aussi ajouter euh, quelque chose qui va... Moi euh, bon, je ne rentre pas dans le détail du code parce que c'est pas non plus... Euh, c'est pas, pas fou. Hein. Euh, qui va regarder quand on a un tronçon qui manque, bah on va regarder toutes les autres routes, euh, toutes les routes qui partent de ce tronçon et qui vont à ce tronçon, et puis on va essayer d'en insérer une, d'en intercaler une qui permet de faire la jonction. Donc voilà, ça c'est une amélioration. Donc on fait plein de petites améliorations comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Les code lens. Ça c'est joli les code lens. Si vous connaissez VS Code, euh, c'est des annotations qui sont au-dessus d'une ligne et qui décore la ligne pour ajouter des infos telles que le nombre de références, et tout. Et euh, ça on l'a, ça on l'a, le heather, bon, celui-là je vais le zapper. Donc voilà, on fait des modifs sur notre language server, donc on a notre modèle, et en fonction de notre modèle, on ajoute des features. On va rebuilder. Terra, merci. Et du coup, en redémarrant, oh, jolie joli, joli fonte. Et donc, on va redémarrer notre Eclipse. Et en fait, si on reprend euh, notre fichier et qu'on fait le même genre de truc, qu'on veut donc aller, ah bah voilà, premier truc, ça c'est les code lengths. Vous voyez, c'est des annotations qui sont au-dessus. En fait, la code lens, ce qu'elle fait, c'est bon, c'est telle qu'on l'a implémentée, hein, elle est là. Hein. Euh, voilà, si je zoome là-dessus, en fait, ce qu'on lui dit à la code lens, c'est que euh, si c'est une montée, on met hop. Si c'est une descente, on met down au-dessus. Donc voilà, on a notre code lens qui nous fait ça. Et puis si deux mettent, bah, on veut reprendre le TC. Et ben bah, on prend le TC, on est bien. Et puis si après on veut prendre un autre TC. Eh ben, il ne va pas bien vouloir parce qu'il n'y a pas de chemin. Donc voilà, on a enrichi notre IDE juste en changeant notre language serveur. On n'a pas eu d'intégration spécifique à l'IDE. On voit que les deux features que j'ai rajoutées, enlever ce tronçon, commencer ce tronçon, bah, elles sont là. On peut commenter un tronçon. Voilà, et il ignore. Alors du coup, il n'ignore pas tout à fait parce que je n'ai pas dû bien faire mon bout de code, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, on va le supprimer. Et du TC de la Croix, on va aller à l'Olympic Home encore. Et là, on va voir ce qu'il nous propose. Non, bah, en fait, il n'y a pas de chemin. C'est bizarre. Bon. Vous avez compris le deal. Euh, on fait une modif dans l'anglais serveur. L'IDE, il n'y a pas d'adaptation à faire. On va refaire la même avec VS Code. You, mon VS Code de test, il est là. Et bah ça sera la même. Hein. On va avoir. Euh la euh, notation pour nous dire qu'on descend la piste. Euh, voilà. Euh, les, euh, les propositions pour euh, nous dire de, euh, enlever ce tronçon ou le commander et tout. Donc voilà. Ce qui est important à retenir dans cette démo, je ne vais pas, euh, pas m'attarder plus parce que je suis en train de griller le temps, c'est euh, que euh, pour faire son propre langage basé sur Java, son DSL ou quoi que ce soit, LSP4J c'est une très bonne API. Ça fait bien le boulot. Je ne sais pas si vous avez vu les opérations. On a code action. Il nous dit quel type on a, quel type on sort. Voilà, on, on obéit à l'API et ça marche. Euh, c'est simple à intégrer dans les IDE. Je vous ai montré. C'est un code basique et, et euh, oui, c'est bon. C'est un code basique et, euh, et qui demande juste de démarrer un process dans la plupart des cas. Et euh, vous pouvez le copier-coller, c'est-à-dire moi je, je vous ai dit je fais pas de VS Code pour faire l'extension du, du fichier point .ski, j'ai pris l'extension du point Java, j'ai viré tout ce qui me paraissait bizarre et j'ai remplacé le jar et j'ai remplacé tous les points Java par des points ski et c'était fini. Donc on est sur du code qui n'est pas intelligent. C'est bien de ne pas être intelligent en fait. Euh, ça nous donne une très très bonne réutilisation des différentes briques avec une très très grande réutilisabilité, ce qui est bah, au-delà de la technologie, s'il y en a d'entre vous qui, bah, qui doivent assigner des ressources, de l'argent, du temps sur des activités, là, il y a vraiment moyen de diviser par 15 tout un domaine. Quoi. Donc c'est gros. Et euh, en fait, vu que les intégrations sont quand même faciles à faire, on a une très, très, grand, une très rapide feedback loop, une boucle de retour euh, entre le langage serveur et l'IDE. On fait une modif dans le langage serveur, on l'a rapidement le résultat dans l'IDE, sans adaptation. C'est tout pour les démos. On va aller plus loin. On a vu que c'était très bien pour l'édition. On est très content du résultat. Vous avez oublié d'applaudir à la démo 3 d'ailleurs. Merci. C'est ma démo préférée. Euh, mais euh, alors du coup, on manque euh, un, un projet, c'est pas juste écrire le code. Il y a toute une partie de design. Ensuite, une fois qu'on l'a designé, on va... enfin d'étude des besoins, une fois qu'on l'a designé, on va provisionner le projet. On va le développer, le, le lancer, le débugger, revenir, écrire des tests. En fonction des tests, le remodifier, le valider, le déployer, le monitorer. Donc le cycle de vie d'un projet est bien, 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 bien plus grand que l'édition. Même si nous, on est payé à essentiellement faire l'édition parce que. C'est ce qui prend le plus de temps et que le reste est plutôt stable une fois que c'est bien édité. Mais il euh, y, y a beaucoup d'autres choses. Ben, en fait, Au-delà du Language Server Protocol, dans l'écosystème sont en train de fleurir des, des protocoles un peu équivalents pour ces autres tâches du cycle de vie d'un projet, notamment l'exécution et le debug. Euh, J'aurais pu vous en faire la démo, mais bon c'est pas trop l'idée. En gros, pour le debugger, on a un protocole un peu pareil qui envoie des messages JSON entre le client. Et le serveur. Et euh, n'importe quel debugger qui sait parler ce, 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 ce langage, n'importe quel débuggeur qui sait envoyer ce type de message, peut être branché à n'importe quel IDE qui sait aussi comprendre ces messages. Donc on est sur la même chose, ça transforme encore une fois des intégrations matricielles en étoiles. Pour le déploiement, pour l'instant, il n'y a rien. Je crois qu'il y en a qui bossent dessus un petit peu euh, sous le manteau pour l'instant, et quand ça sera mature, ça, ça fleurira peut-être. Pour le monitoring, euh, pour l'instant, il n'y a rien non plus, pour le déploiement non plus. Donc, bon, on, en fait, les choses vont se faire, je pense, progressivement, en fonction des besoins, mais le plus gros, c'était quand même l'édition. Donc, c'est par là que c'est commencé. Quoi. Le, le Debug Adapter Protocol, vous en parlez, il a quand même déjà six clients euh, connus, dont VS Code, VS Normal, Eclipse IDE, Emacs et TIA. Donc ça correspond quand même, ça couvre euh, déjà un bon spectre. Et euh, 33 Debug Adapter, alors on parle d'adapter pour le Debug, pas de serveur, c'est comme ça, c'est Eric Gamma quand même, il est très attaché au mot. Et on ne confond pas un serveur et un adapter, s'il vous plaît. Euh, J'ai mis serveur, donc euh, j'espère qu'il ne verra jamais cette vidéo. Euh, <laughs> Euh, donc, il y a quand même 33 langages supportés, euh, dont du .Net, euh, du Node.js, avec VSDBJ à C++ et compagnie, même si c'est pas open source. Euh, le binding avec le développeur de Chrome, Dart, Go et compagnie. Donc, il y a déjà une offre euh, solide euh, qui est prête à être consommée et à être étendue. C'est le dernier slide. Euh, je ne sais pas combien d'entre vous se ce sentent développeurs d'outils ou sont dans le besoin d'outiller de, de, un langage. Qui est dans ce cas 1, 2, 3, on est à 4, 5, 5 sur 25, 30. C'est petit. Maintenant, il y a, donc, il y a plein de, de end-users ici qui disent ⁇ Mais en fait, je m'en fous, moi je veux juste que ça marche. ⁇ Pourquoi ce talk qui est intéressant pour vous euh, Ces protocoles, en fait, ils sont intéressants pour le domaine parce qu'ils amènent dans les IDE plein de langages et ils amènent les langages dans plein d'IDE. Et ils font tout ça en factorisant. Donc, comme euh, les efforts se factorisent, les... la qualité monte. C'est-à-dire dans JDTLS, et eh ben finalement, il y a les efforts de ce que fait Eclipse JDT de temps plus les efforts de Microsoft plus les efforts d'autres. On est sur un truc qui, comme il se centralise, est de très bonne qualité. Sur Rust, nous, on a l'intégration de Rust dans Eclipse par le Language Server Protocole. Eh ben, on contribue, ne serait-ce que des bug reports, au language server Rost, qui est aussi utilisé dans VS Code, qui sera utilisé dans Tch. Donc on est en fait à, dans un domaine qui s'est complètement factorisé, ce qui va faire que ça va monter la qualité de tous les outils, de tous les supports de langage. Et le truc, c'est que ça monte la qualité, mais aussi ça vous donne le choix. Et vous allez avoir un choix encore plus vaste. Alors je ne sais pas à quel point vous aimez avoir le choix. Moi, selon les humeurs, il y a des fois où j'aime bien pouvoir tout choisir et j'aime bien qu'on m'impose des choses. Et bien là, non, vous allez avoir de plus en plus de choix parce que si vous prenez un langage, vous pourrez avoir n'importe quel outil, ou si vous prenez un outil, vous pourrez avoir n'importe quel langage. Et ça sera équivalent. Tout ça, ça sera équivalent. La différence se fera d'un outil à l'autre sur les workflows euh, autres que l'édition elle-même. Ça va être l'import, euh, le déploiement et tout. Donc voilà, on est sur un domaine qui euh, normalement devrait vous amener plus de qualité et plus de productivité. Grâce à ce protocole et des équivalents. Et ça sera mon dernier mot avant les questions. Est-ce que je prends des questions euh... Allez. Alors, il y a des stickers à gagner des stickers Eclipse, Fondation ou. Où... Je laisserai Mario donner. Ah, oh, un sticker, ouais. Que, euh, over, forcément, euh, de documentation. Non, le LSP ne spécifie pas ce que tu as dans le hover. Tu peux avoir. Un... Alors la question est est-ce que le protocole définit que dans le hover c'est la documentation Non, le protocole ne définit pas le résultat attendu par une opération. Il va définir l'opération, dire ça peut se faire comme ça, mais il y a rien d'obligatoire. De... Donc tu peux mettre l'information de debug dans le hover, par exemple. Tu peux mettre des informations de déploiement de de, de runtime, tu peux mettre euh, ce que tu veux en fait. dans Spring tout suite, sur le Hoover, ils ont des informations de runtime. C'est-à-dire, si tu as une appli déployée, leur language serveur, il regarde l'appli qui est déployée et quand tu vas faire le Hoover sur une annotation, il va te dire elle est mappée à telle ressource, euh, telle URL. J'ai une deuxième question, mais je pense que ouais. tu as répondu. Que, euh, bah, je vous laisse faire passer. Le format de euh, ce qui est renvoyé, par Alors non, le, le format du Hoover, c'est ce qu'ils appellent des Mark Strings. Et euh, ça sera formaté conformément à l'aspect. La l'aspect définit un formatage de, de retour. Après, le contenu, c'est le contenu qui n'est pas spécifié. C'est vraiment les, les, ouais, les messages sont spécifiés, la sémantique de, du résultat. Euh, et heureusement, hein, parce que si tu veux que ça serve à tout, il faut spécifier le moins possible. C'est... Ouais. Tiens, on fait passer euh, derrière. D'autres questions Oui. Ouais. En fait, elles sont pas dans le. Alors la question, c'est euh, dans les refactoring, qu'est-ce qui va manquer Et euh, le extract méthode, c'est un bon exemple de ce qui manque par défaut dans le protocole. Le protocole, le seul refactoring qu'il a pour l'instant, c'est Rinem. Euh, après, la liste euh, elle peut grandir. Je pense pas qu'ils y sont opposés. De que tu as... Alors en fait, tu peux fournir les refactoring si euh, tu arrives à les exprimer en, en une édition en fait euh, de la même. Par exemple, tu vois, d'une certaine manière, quand il y avait l'erreur là que j'ai surligné le tronçon et puis il y avait euh, ajouté un dièse ou euh, insérer le tronçon. Bon, on l'a pas vu parce que je l'avais mal codé, mais eh ben ça c'est une forme de refactoring c'est enfin un truc externe qui vient modifier ton code. Donc ce, ce système d'édition, de, de, tu peux considérer que c'est un refactoring, mais tu auras la limite que le, le protocole ne, ne gère pas d'invite, euh, de, de dialogue. Le protocole ne va pas ouvrir une pop-up en disant euh, comment tu veux appeler ci ou ça. Sauf si c'est le client, le client qui doit le faire, si la spécification dit que le client, le client a le droit de donner son avis à ce moment-là. Donc pour le extract method, tu pourrais dire, OK, méthode tu as juste le nom à trouver. Mais si tu veux spécifier les paramètres et tout, ou donner plein d'options qui sont pas classiques, tu bah, auras besoin d'un dialogue complexe. Et là, le protocole, tu vas te prendre un stop si tu veux contribuer. Et, ah non, mais là, c'est trop spécifique à ton langage. Donc, en fait, tant que tu es dans le générique, ça va. Dès que tu dans le spécifique, ça, ça coince. Alors sur la rétrocompatibilité, ça casse, euh, ouais, ça casse parce qu'en fait c'est rétrocompatible sur le modèle TypeScript parce que ça. l'anglais Server Protocol, c'est quasiment un sous-projet de VS Code qui a été ouvert aux autres. Euh, dans TypeScript, as les unions. Les unions, c'est complètement rétrocompatible. Si as un, un chien euh, ou un chat et que c'était un chien et que tu dis maintenant c'est un chien ou un chat, ton, ton chien, il va encore dans le chien. Là, on a les fameux users là qui foutent le bordel. Et euh, du coup, ça peut gêner la rétrocompatibilité. Mais euh, LSP4J, en tout cas le binding Java est très réactif, fait les choses très bien, donc on n'est pas touché à la couche des IDE, on est à peine touché par ces problèmes. Et, euh, et même quand on est touché à LSP4J, en fait, tu as une erreur dans le code, tu as un, une erreur de typage, c'est l'avantage des, des, des types euh, forts, c'est que la plupart des erreurs, tu les vois à la compile. Quoi. Donc... Euh, je dirais que c'est pas pire. Après, il y a eu des, des changements où on n'est pas d'accord. Donc quand tu n'es pas d'accord avec, euh, avec les gars qui s'occupent du protocole, par défaut, c'est eux qu'on raison jusqu'à ce que tu arrives à les faire changer d'avis. Ce qui est très sain, parce que ce n'est quand même pas déboulé. Et quand ils te disent que tu as tort, bah, il faut peut-être y réfléchir deux fois. Et ils peuvent avoir tort, ils l'admettent une fois que tu les as fait changer d'avis. Donc c'est une, une gouvernance, je dirais, de, de, gens de, de gens de bon sens. Mais il n'y a pas de garantie. Si demain Microsoft veut planter tout le monde, ils peuvent. Ce n'est pas dans une fondation. Nous, on aimerait voir euh, le LSP spécifié euh, à la Eclipse Foundation. C'est là où ça serait le plus logique, vu qu'il y a plein d'outils et plein de langages. Ou chez Apache, même, on s'en fout. Mais une fondation, il y a une gouvernance. Les développeurs ne sont pas contre. Euh, après, ça devient des décisions politiques. Mais pour l'instant, honnêtement, ils ne nous ont pas. Ils sont cool. Hein. Ils sont vraiment cool et bons. On cote. Euh... Ouais, merci.